It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. Hey, bonjour à tous, c'est Dark de la chaîne Still and Dark. Aujourd'hui, je suis seul et puis on va faire un petit playthrough qui me tient à cœur. C'est un jeu qui s'appelle Mad Max. J'ai récemment vu le film et puis ça m'a donné envie de jouer au jeu, tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un jeu qui se déroule dans un univers un peu post-apocalyptique, donc où les gens se battent pour l'essence et l'eau parce qu'il n'y en a plus sur la planète, tout simplement. Et nous, on joue le rôle d'un survivant qui s'appelle Mad Max et qui combat en gros les méchants qui veulent contrôler le pétrole. Voilà. Donc, le scénario, il tient dans un post-it, mais l'univers est vachement cool. Donc, je vais pas perdre trop de temps. On va faire des vidéos de 20 minutes et on va tout de suite lancer. Donc, une nouvelle partie. Ça, on va écraser. Hop. Et on lance une nouvelle partie et je vous laisse l'intro de départ. On se retrouve à tout de suite. One such man, one who had lost all, over and over, and to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Thank you.
Soit. Il a quand même eu le temps de nous jeter encore, hein, le gars. Ah ben ça marchait moins bien hein, du coup. J'aime beaucoup la musique d'intro. Non, on a récupéré le petit toutou. This setback would not stop him. He would have his peace, even if it meant another war. And war was coming, because he had created a mortal enemy. Et voilà, du coup, je me retrouve avec le personnage principal, donc qui est Mad Max, qui vient d'affronter Scrotus, je suppose qui est le méchant du jeu, hein, avec une petite tronçonneuse dans la tête maintenant. On va commencer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps, du coup, ouais, on va se balader. Il est quand même badass, hein, je dois l'avouer. Ok, un petit point vers là-bas, je pense qu'il faut qu'on aille vers là-bas. Ah, mais il y a notre petit chien là. Coucou toutou. Hé, hey, tu bois de l'eau. Laisse-moi boire. Ok, donc on récupère de l'eau dans notre gourde. Parfait. Je suppose qu'on peut la boire. 4, ok. Et ça régène notre vie. Ok, ça paraît logique jusque là. Ensuite, il est où le petit toutou là? Trouver le chien, ah, parfait. Oula! Oula, oula! Ok. Donc on a Gollum en face de nous, très bien. Start a blaze by godly plug igniter. Revolution about revolution rejoins! Please! Don't kill! Chum Rocket! Please! Hey! Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. J'aime bien ce nom. That's right. Then Chumbucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. Oh bon, on s'est fait deux amis du coup. C'est bien. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. Réparer les chiens, ouais. Le soigner plutôt, mais. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Ok, super. Bon. Du coup, je suppose qu'il faut récupérer des pièces pour son véhicule, hein, qu'on puisse se casser. Vu que le nôtre, il a été piqué par Scrotus. Parlez à Chum Bucket. C'est parti. Mais c'est pas une voiture, mec. I need wire to fix my buggy. But then, I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Je m'en doutais. Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Ok. Donc faut qu'on cherche des pièces pour son buggy pour qu'on puisse se casser du câble. Ok, ça marche. On peut courir, super. C'est bien parce que j'ai pas envie de faire tous les jeux en marchant. Faut pas être trop gros ici. Oh. Bonjour toi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Deux cartouches de fusil. Très bien. Ok, c'est en jaune, je suppose, pour indiquer par où faut passer. Hop, très bien. Oula. Hey toi. Viens te battre, petit bonhomme. Ah.
Allez, viens. Nope. Voilà. C'est pas du tout fair play. Voilà. Je suis le tutoriel, hein, je suis. J'entends encore des gens. Allez, venez. On va se battre à Manu. C'est parti. Alors, attaquer pour parer une attaque. Enchaîner après une attaque. Oui, c'est relativement simple. Ok. Allez. Vas-y, je vais parer. Hop. Oh, le petit con. Voilà, une mâchoire en moins. Il est où l'autre là? J'ai entendu un mec encore. Ouais. Venez vous battre! Nope! Quel homme! Putain, si je me battais aussi bien que lui! Oh la vache! Ils ont rien là? Ils ont rien droppé? Non? Que dalle? Non. Maintenir câble, ok. Prendre le câble, hop, voilà. Là, apparemment il dort un truc aussi. Voilà. La ferraille. Ok. Deux pièces de ferraille. Il y a rien d'autre dans le coin, non. Bon. Au fur et à mesure du jeu, je vais sans doute oublier des trucs. Bon, c'est pas grave. On va pas faire non plus le jeu à 100%, sinon ça va prendre une plombe. On va essayer d'avancer quand même dans l'histoire un minimum. Ah là, il y en a encore. Ah, bah voilà, 2 sur 2. Explorer à 100%. Parfait! Je peux pas piquer là ce qu'ils ont là? Non. Bon, j'ai encore une palle de fusil. On va revenir, on va ramener le câble. Il est quand même joli hein, le jeu, c'est visuellement c'est une claque. Hein. Rien que les traces de pas par terre, c'est. Oh, c'est qui lui? Ok, donc nous avons un démarcheur pour Quechua. Il avait une espèce de tente au-dessus de lui, je sais pas trop ce que c'était. Je sais pas qui c'est. Je pense qu'on le recroisera dans le jeu, sans doute. Une fuite. Tu sais, le mec il le prend vraiment pour une caisse quoi. Oui, c'est une méthode de stérilisation assez, assez commun effectivement. Non, je n'ai pas de fuite. Oh les petits toutous, on t'emmène. Oh il est trop mignon. Ouais, je peux pas courir moi hein, par contre là. Petit chien. Ouais, j'arrive, deux secondes. Pressé ce jeune homme là. Oh, classe. J'aime beaucoup les véhicules dans ce jeu. Pour ceux qui connaissent pas, tout le jeu tourne un peu autour des véhicules. Hein. Le film par exemple, ils sont que dans des véhicules. Ah oui, et on roule à droite, ça va me perturber, je pense. Ah, classe. Les contrôles sont assez particuliers quand même. Hein. Pas très maniable cette voiture. Cinématique. Ah, l'univers est vraiment classe, hein. C'est vraiment joli. Wow. Oh. Je te suis. Over here. Over. Come look. See, this is where the thick brow squat cut. Butchers. Infidels. Oh, yeah, look, there. Scabrous Scrotus is their king.
Oh non, ma voiture. Scrotus always keeps the best parts for himself. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, wait, please, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Je sais pas comment c'est solide, des couilles d'iguane, mais ça a l'air d'être solide, donc ça me va. Donc c'est un bateau retourné, c'est vachement classe. Je suppose qu'on est dans les fonds marins en fait, enfin ce qui était avant les fonds marins. Jumelles, ok, donc je peux utiliser les jumelles. Intéressant, je peux zoomer. Ok, cool. C'est parti. What is this place? You are in the outer graves. Over there is the great white. An ancient seabed. I'm not sure. No, but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. Oh bah elle est plutôt classe sa base là, donc pour un bossu. Je pense qu'il a quand même quelques petits problèmes de dos, hein. Petite scoliose là, je pense. Alors, c'est un peu sombre. Ça c'est un lit en forme de roue, pas mal. Enfin c'est une roue, je suppose. Hop, faire la mission. C'est parti. Ça sent un peu renfermé ici. Hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge on blessed be. There she lies. The magnum opus. Ah ouais, d'accord. Comment dire? C'est un projet. It's just a mess of parts. No. She's knowledge from the numinous, divinely inspired. She wills herself upon this world. Look. See here, divine meets driveshaft in a symbiosis of faith, modded and made to measure. You want some of that old time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Hell yeah, bulletproof and torture tested. Statically upgraded with chum bucket overdrive. Oh, yeah, it's cool. On a trouvé un ingénieur et tout. And links too. It's gonna be 8 cylinders, nothing less. We'll get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes. Come. No time like the present. Bon, faut voir le bon côté, hein. Sans carrosserie, on n'a pas besoin de clim. Hein. We must go. Ok, bon, au moins elle roule. Hein. C'est déjà ça. Donc on va chercher une carrosserie, très bien. Ok. Ok. Je vais où du coup, hein? Faut que j'aille là-bas. Ah, qu'on dit c'est jusqu'au cimetière. On ira voir ça après. On va suivre l'histoire quand même un peu. Yep. Ah, on a la carte. Ok, donc on a un GPS classique, d'accord. Un peu à la GTA, très bien. Elle est déjà plus maniable que l'autre. Hein. Par contre, ça reste basique. Réservoir presque vide. Ah, très bien. Je suppose qu'on va en chercher, bien évidemment. Ah. Eh oh. Est-ce qu'il y a des gens ici? Puis-je piquer votre essence, s'il vous plaît? Ah. Non, vide, forcément. Il y a des petites pièces de ferraille, on va quand même les prendre. Hein. Pas cracher dessus. Ah.
charge, décharge explorée à 100%. Ok, super. Bon, du coup, ce sera. Alors, droite, faut vraiment que je m'y habitue à ça, ça va être compliqué. Il y en a une autre là-bas. Panne de carburant. Ah, très bien. Messieurs, je voudrais faire le plein, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Silence, madame. Nope. Il y en a encore des vivants ? Nope. Allez, allez, encore une fois. Allez, hop. Petite pichenette, là. Oh la vache. Costaud quand même, Mad Max, hein. Ah, ils ont du... de la ferraille, je suppose. Ouais, super. Ok, donc là, il y a un jerrycan. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant que je prenne le jerrycan ? 1 sur 2. Donc il reste encore des pièces, là, quelque part. Là, peut-être ? Ah, bingo. Super. Du coup, on va remplir ça. Enflammé. Ah d'accord. Et on lance. Ok. Ouh. Ouais, parce que bon, on en a trop de l'essence, c'est vrai. On est dans un univers où il n'y a presque pas d'essence, mais on utilise des jerrycans pour faire péter des trucs. Très bien. Alors, faire le plein. Ok. Ça c'est fait. Il faut en prendre un autre, ok, pour se ravitailler. Ouais, ça paraît logique, ok. Allez hop, prends-moi ça. Je peux pas courir avec le jerrycan. Bon, ça paraît logique, hein. C'est quand même assez lourd ce truc-là. Alors, maintenant, stocké, ok. Hop, je faisais juste gaffe de pas l'enflammer, ce serait con de faire péter la bagnole. Non, c'est pas à gauche, punaise. Hop, je reprends l'enregistrement, désolé, j'ai eu un petit crash, je sais pas pourquoi. Mais tout va bien, on continue. Je pense qu'on va s'arrêter au cimetière, devant l'entrée. Puis je vous donnerai rendez-vous pour le deuxième épisode. On va quand même aller jusque là-bas. Ok. Oui, bah oui, forcément l'essence. Très bien. Je fais n'importe quoi. Steam qui s'ouvre en plein milieu. On va faire tout péter. Ouais, recule, c'est une bonne idée, ouais. Boum! Ok, merci sur ce. Les amis, je vous laisse ici. Et puis je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode. A plus tout le monde!